Bonjour, apprendre l'anglais en jouant, c'est ce que propose l'association Splash à Bain-de-Bretagne. Elle propose des ateliers d'apprentissage de l'anglais à des enfants âgés de 4 à 11 ans. Chaque semaine, ils découvrent les bases de la langue de Shakespeare au travers de jeux, d'images et de chansons. La sixième année que l'association propose ses activités de jeux en anglais. Ce ne sont pas des cours d'anglais, ce sont des jeux en anglais, c'est vraiment du ludique. Et donc c'est pour que les enfants soient heureux en apprenant de l'anglais, sans le savoir. Donc c'est du jeu. Alors ça commence en moyenne section, donc c'est les petits, il y en a de 4 ans. Et puis ça peut aller jusqu'en CM2, donc il y a plusieurs ateliers en fonction de l'âge. Mais c'est mélangé aussi, c'est un peu hétérogène. Il y a des moyennes sections jusqu'à CP dans le premier atelier. Le deuxième atelier, il y a des grandes sections jusqu'à CM2. C'est un peu comme en famille, ce sont des petits groupes de 8 enfants maximum. Donc on joue comme on joue à des jeux de société en famille, à plusieurs, et puis voilà, ça, il capte très très vite. Cousou, le cat, c'est un dog, on l'a vu, dog. Le cat, le cousou. Oui, il est là. Il y a plusieurs méthodes, il y a Teaching English Games qui a été créé par Shirley Vernon, qui est une Anglaise qui habite en France. Donc elle a créé des petites histoires progressives, avec des chansons, avec des cartes de jeu, avec des petits films qui vont avec, des petites vidéos. Et donc, on apprend ce vocabulaire en mouvement, en jouant à des jeux de cartes. Les mémories, ils adorent. Les bingos, ils adorent aussi. Et on imagine par exemple qu'il y a une rivière, il y a des crocodiles, donc on marche sur les cartes. Des jeux aussi, il faut aller toucher, des petites courses. Ils aiment bien entre eux, ils aiment bien compter leurs points. Voilà, plein de petits jeux rapides. Et puis après, au bout d'un moment, ils jouent eux-mêmes les histoires. Les rythmes sont variés. Si on fait un rythme vraiment en mouvement, après on fait un rythme plutôt vidéo, écoute, après ou memory, voilà. On alterne les rythmes, comme ça les enfants sont calmes quand il faut et ils jouent quand il faut. Et voilà. Je dis toujours, hein, s'ils n'aiment pas, ils ne viennent pas, parce que c'est le but, c'est qu'ils y prennent plaisir. Donc ceux qui viennent, c'est qu'ils sont contents. L'adhésion à l'association coûte 10 euros à l'année par famille. La cotisation pour assister à ces ateliers est à 110 euros. Plus d'informations sur internet www.splash.fr.